Mademoiselle Mortier, vous présentez Lady MC. Qu'avez vous pensé de ces deux prestations sous votre responsabilité? Bah écoutez, elle débute très très bien sur le steeple face à un lot de chevaux très émérite. Elle est cinquième à trois longueurs du gagnant, qui certes a couru derrière le Ferdinand Dufort et a été arrêté, mais c'était quand même un vrai lot de qualité. Elle débutait juste proprement pour faire le tour et apprendre à bien sauter, ce qui a été le cas. Là-dessus, on est arrivé le 12 mai très 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 confiant, et puis il y a eu mésentente entre le jockey, les ordres et la pouliche. Donc elle a fini à arrêter contrainte et forcée à trois quarts du but. Donc bon, là on n'a pas bien compris, si ce n'est que du coup elle est quand même rentrée un petit peu raide parce que la piste était un peu légère. Donc du coup on ne sait pas trop où on en est. Bien sûr. La jument va pas être pas évidente à juger. Le matin elle est très très bien. Du coup on essaie, on revient en haie pour la découvrir à Auteuil. C'est pas une tâche facile parce que le haut du tableau, les six premiers paraissent avant le coup intouchables dans la mesure où c'est les chevaux durs et aguerris. Ouais. Maintenant, si on est dixième, classé au dixième dans le dans l'ordre, c'est que c'est pas non plus un très très grand lot. Donc, en fait, on débute surtout à Auteuil. Et on voit ce que ça donne. Ça va être instructif pour le deuxième semestre aussi, peut-être. Oui, voilà, ça va être instructif, puis ça va me permettre de mieux la situer. D'accord. Après, les réserves Clairefontaine ou non, le deuxième semestre? J'avais hésité, en fait, à ne pas la courir là, en me disant, 18 partants, c'est pas évident. J'hésite encore, à vrai dire, donc en même temps, s'il fait très très chaud, mercredi, j'envisage éventuellement de la retirer. Pour aller à Clairefontaine, justement. D'accord. Donc là, dans le plus grand doute. Voilà, on est dans le doute sur toute la ligne. D'accord. Et oui, ils annoncent très chaud, demain. Voilà, donc, sachant qu'elle a deux engagements en steeple à Clairefontaine, justement, le 19 juin. Donc, on est vraiment entre deux. Sinon, si elle court mercredi, elle courra à ça et on verra ce qu'elle pourra faire. Quoi. Oui, enfin, elle défendra ses chances quand même, parce que la pouliche, on l'aime bien, elle est vraiment en bonne forme, là. Donc, d'accord. Très bien. Donc, intéressant de découvrir quand même. Oui, peut-être en bout de combinaison.